Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, c'est parti. Donc là je viens d'arriver à la fac, j'ai coupé mes cheveux, enfin je vous l'ai déjà dit dans le vlog de avant-hier, enfin il y a 3 jours je crois, enfin je sais plus. Mais du coup là on voit mieux parce que quand je vous ai montré c'était après Nekfeu, enfin il faisait nuit et tout, donc là voilà. Donc c'est hyper court, enfin j'ai beaucoup coupé. Puis surtout bah du coup je vous ai pas raconté le coiffeur. Donc elle a fait une tondeuse, vous savez, pour les hommes, enfin une tondeuse à hommes quoi, enfin pour les cheveux d'hommes. Et elle m'a fait comme ça tout le long derrière mon dos, enfin à la longueur quoi. Et j'étais dos à la au miroir, donc je voyais pas du tout. Et je sentais dans mon dos la tondeuse qui passait comme ça. Et du coup, je me dis, enfin, c'est super haut quoi. Enfin, ça va être très court. J'avais demandé, enfin. Hein, c'est vrai qu'elle fait toujours un peu plus court que ce que je dis. Donc j'avais dit, genre, peut-être là, enfin, ça fait un tout petit peu quoi. Voilà. Et les coiffeuses, elles me regardaient et tout. J'étais trop en panique parce qu'après, enfin, je voyais pas. Donc après, j'ai dû me retourner. Et je me suis dit, si ça me plaît pas, enfin, après, c'est mort quoi. Enfin, ça repousse, mais ça met quand même du temps. Donc voilà. Mais en fait, j'aime bien. Enfin. Je trouve que ça fait bien, enfin pour le printemps et tout. Puis bah, comme je pars à Center Park le week-end prochain, au moins pour me les laver, les sécher et tout, ça va être mieux. Et du coup bah je me les suis lavé hier et c'est trop, enfin ça change trop. Avant mon soin, quand je le mettais, bah j'en mettais beaucoup plus dans ma main parce que bah évidemment j'avais plus de longueur, enfin pour mettre le soin quoi. Et du coup là hier, enfin j'en ai mis beaucoup dans, j'ai pas trop pensé quoi, j'ai fait comme d'habitude et j'en ai mis beaucoup trop quoi parce que bah j'ai plus que, enfin j'ai plus beaucoup de longueur quoi. Donc voilà, ça change, mais ça fait du bien, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je pense que c'est le principal que j'aime bien. Donc voilà, et sinon, bah là je vais aller en cours, donc de 8h à 10h, on a contrôle d'anglais. Enfin, pas les 2h, mais on a anglais de 8h à 10h, et on a un petit contrôle au début, normalement. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et là, c'est ma dernière semaine de cours, après j'ai une semaine de vacances, une semaine de révision, donc pour moi c'est 2 semaines de révision, hein. Et après 2 semaines de partiel direct. Donc voilà, ça va passer trop vite je pense. Mercredi on a les plannings de partiel. Ça va mettre encore plus la pression. Donc voilà, et donc de 8h à 10h, après 10h j'ai plus rien jusqu'à 15h30. Donc j'ai 5h30, je vais aller à la BU réviser, enfin j'ai plein de trucs à faire donc ça me marrant. Et après 15h30 jusqu'à 17h. Et ensuite je reprends à 18h30 jusqu'à 20h. Parce qu'en fait là cette semaine on a trop de cours. Normalement je finis pas à 20h, je finis à 17h30, mais j'ai un cours qui a été rajouté. Parce que bah avec les greffes qu'il y a eu, bah on n'a pas eu cours pendant, je sais pas, pendant plein de jours, je sais même pas combien. Mais du coup on a plein de cours à rattraper. Donc là il faut que j'aille voir au tableau, enfin on a un tableau avec notre emploi du temps de la semaine à chaque fois. Il faut que j'aille voir parce que on l'avait sur internet parce qu'on a un groupe, mais les photos sont floues, je vois pas les groupes. Et je crois qu'il y a un jeudi, on finit à super tard, genre 19h, un truc comme ça. J'espère que c'est pas mon groupe parce que j'ai pas envie de finir à 19h. Ah bah si, je finis à 19h jeudi, mais c'est quand alors? Ah bah c'est vendredi je crois, il y a un cours dans l'après-midi, peut-être pas jusqu'à 19h, mais il y a un cours au moins jusqu'à 17h. Et j'espère que c'est pas moi parce que comme je dois aller à Center Park, je comptais partir genre après manger, enfin du coup si j'ai un cours jusqu'à 17h ça va être un peu compliqué. J'espère que c'est pas mon groupe, croisons les doigts. Donc voilà, bah après ouais à 10h je vais aller à la BU tout ça, donc bah on se retrouve tout à l'heure. Là on vient de finir de manger et on retourne encore à la BU. J'ai le nez tout rouge parce que je suis en train de tomber malade, du coup je fais que de... Ah c'est vrai là, on est arrivé. C'est bon. Je veux être le prince de la ville. Eh, hey, je suis au volant dans ma caisse. Au fond rouge, je demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la ville. Je refais contrôle et je repars. Pourtant, j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Yeah. Les embrouilles de schnapp. Du coup, là, on était en ville avec Yasmine. Et en fait tout à l'heure en sortant de notre TD de cours, on pouvait plus, enfin ceux qui voulaient rentrer dans le bâtiment ils pouvaient plus, nous on en sortait donc on a pu, mais ceux qui voulaient rentrer ils pouvaient plus parce qu'il laissait passer que ceux qui avaient des contrôles, enfin à cause des manifestations. Du coup là on doit reprendre à 18h30, il est 18h20, donc on sait pas si on va trop pouvoir rentrer, mais apparemment c'est bon, du coup on va aller voir. Donc on a été en ville en attendant, mais apparemment là il laisse re-rentrer, donc je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, du coup bah là on va en cours et on se retrouve. J'ai mal au pied. Ouais. Yasmine avait soif, mal au pied, envie de faire pipi. Enfin en fait il a été un Sims, son comment ça s'appelle le truc aussi de la tête, la barre de... Elle était toute rouge. Du coup là je viens de finir de manger. Donc je suis arrivée à... Je savais à quelle heure, vers 20h20. Puis bah je discutais avec ma famille tout ça. Fin... Et du coup là je viens de finir de manger, il est 21h20. Donc j'ai dû mettre une heure en bas à rester.
Donc je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, tout ça, me mettre au lit et monter le vlog puisque j'ai pas commencé. Voilà, et je voulais vous parler que bah, je viens de voir que Caroline et sa fille en fait s'était embrouillée. Enfin, je pense que là c'est vraiment fini, enfin, vu comment elles sont de leur. Enfin, chacune de leur côté, comme ce qu'elles disent et tout, je pense que c'est vraiment fini leur amitié. Mais moi c'était mes youtubeuses préférées, du coup bah c'est un peu triste, mais de toute façon je m'en doutais. Enfin, ça se voyait un peu dans leur vidéo, tout ça, puis même tout le monde le disait en commentaire. Enfin, je pense que tout le monde l'avait remarqué, quoi, j'étais pas la seule. Du coup, bah, je trouve que c'est normal, mais moi je trouve ça trop dommage, quoi, parce que tout ce qu'elles ont fait ensemble et tout, mais bon. Après, c'est vrai qu'on change, chacun suit des chemins différents, et puis avec l'âge, bah, on change, ouais. Du coup, voilà, mais je trouve ça un peu dommage quand même. Enfin, après, je prends pas parti ni pour l'une ni pour l'autre. Je pense que c'est leurs histoires, mais bon, je voulais vous en parler quand même parce que bah, je suis un peu triste. Du coup, bah voilà. Parce que bah, l'année dernière, ils avaient fait un poisson d'avril comme quoi elle s'est séparée, et avec Yasmine, on avait trop envie de pleurer. Enfin, je sais pas qu'on est fans comme ça, mais on était trop tristes, quoi. Ça nous avait choqués et c'était pas vrai. Que là, bah, je pense que c'est pas un poisson d'avril. Enfin, il y en a plein qui disent que c'est un poisson d'avril, mais bon, on est le 5 avril, donc c'est un petit peu tard. Et vu les proportions que ça prend, enfin, j'étais sur Snap et tout, et vu comment elles se sont parlé, enfin, c'est sûr que c'est pas un poisson d'avril, donc voilà. Du coup, là, c'est vraiment réel et. Bah ça fait un peu mal au cœur de voir une amitié gâchée comme ça, mais bon. Voilà, bah, je vais finir ce vlog sur cette note un peu triste. Ils vont se... Je pense pas qu'ils vont se reparler un jour, mais bon. Elles vont chacun de faire leur vie de leur côté. Puis bah voilà, si elles sont mieux séparées, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des amitiés comme ça qui tiennent pas. Donc chacun change, enfin, voilà. Voilà, voilà. Du coup, bah, j'arrête ce vlog. Demain, c'est Yasmine qui vlog. On se retrouve après-demain. Bye!